Et vous savez, Samuel Eto'o, il n'a pas beaucoup joué au Cameroun. Comme vous l'avez si bien dit, c'est un super doué, c'est un joueur talentueux. C'est vraiment un génie, n'est-ce pas, du ballon. Et j'ai l'impression que c'est l'étoile que Dieu, n'est-ce pas, lui a donnée. Donc, il s'y est tellement mis et il a côtoyé, comme je l'ai dit, il n'a pas beaucoup joué au Cameroun. C'est à peine s'il a. Il sortait du centre de formation, il a un peu joué avec la Kadi Sport Academy. Je ne sais même pas s'il a fait une année. Après, il est parti dans ces pays développés et dans des grands clubs où il a vu ce qui se passe. Pour le footballeur, pour que les entraîneurs, pour que tout ce qui a trait, n'est-ce pas, à la production du spectacle, soit dans les conditions idoines. Donc, c'était donc, il ne pouvait pas garder cela dans son cœur. Il voulait que nos dirigeants changent vraiment dans la mentalité et dans la façon de voir les choses. Il était donc obligé d'être ouvert, que non, ce n'est pas comme ça que ça se Il fait. avait la même vision que vous. Enfin, je ne sais pas, mais je crois qu'à ce niveau-là, je suis d'accord avec lui. Je suis vraiment d'accord avec lui. Il fallait bien faire les choses. Vous ne pouvez pas exiger d'un footballeur des bons résultats si vous ne prenez pas des dispositions, n'est-ce pas, pour que vous ameniez, n'est-ce pas, ce footballeur à justement à vous donner Des bons résultats. des bons résultats auxquels vous tenez. Donc, moi, je crois que Samuel Eto'o, tout comme la plupart de grands footballeurs, il y a le Joseph Antoine Bell. Vous parlez même de Samuel Eto'o. Il y a le Joseph Joseph Antoine Antoine Bell, Bell. oui. N'est-ce pas, qui ne cessait d'en parler, de dire que non, vraiment, il faut que nos dirigeants changent. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il y a des Roger Roger Milla, Milla, oui. peut-être qu'il ne parlait pas beaucoup, mais avec sa passion, il préférait venir faire avec, mais ce n'est pas pour autant dire qu'il acceptait ce qui se passait, n'est-ce pas, pour que les gens prennent conscience du fait que c'est un domaine assez délicat.